Yep, ça y est, ah, enfin ça marche, on est bien là. Bon, petit récap, comment ça s'est passé? Donc là, pour ce qui est de la boîte de vitesse, hein, c'était bien cette rondelle qui foutait la merde et qui avait niqué les pignons, le barillet, et puis blabla, hein, si vous avez suivi les épisodes, hein, vous avez vu des montages, remontages, là. Le shifter, je pense qu'on est pas trop mal. J'aimerais bien quand même revoir Philippe Jugen pour qu'il me dise si vraiment il n'y a pas des fois une petite mise au point à corriger, tout comme ça. Philippe Jugen, j'avais fait une vidéo avec le 7,5 GSXR là, de mon collègue. Mais sinon, après, pour ce qui est des vitesses, hein, avec le shifter, franchement... franchement, c'est nickel, hein. Bon après, hein, vu que je suis fringué comme un pingouin de merde, je vais pas non plus trop abuser, faire le pitre ou quoi que ce soit. Et pas abuser aussi dans le sens où voilà, les gendarmes vers chez moi sont super gentils. Donc je pense que ça sera l'unique fois où je vais prendre le CRF là comme ça là sur la route. Parce que voilà, pas homologué, machin, si je me bourre et tout. Et puis on peut pas bien choisir les traces sur une route quoi. Si une voiture en face comme ça, et puis moi je me connais avec ma chance légendaire. Le seul jour où je vais vouloir faire un inter un peu en aveuglette où normalement il n'y a jamais personne, bah il y aura une personne qui aura rien demandé en face et enfin bon, la suite vous la connaissez. Pour ce qui est du démarrage aussi, hein, plus de problème, hein, elle démarre très très bien. On ira se poser dans un petit coin et je vous ferai le récap d'un peu toutes les pièces qu'il y a sur la machine. Hein. Alors, je vous ferai voir aussi, j'ai installé deux trois petites choses, enfin bref, blablabla. Donc grand merci à ADS Laser, d'accord, pour la rectification de mes pignons de boîte. Hein. Franchement, hein, vous avez vu, hein, c'est du bon travail. Même pour moi, c'est du super travail. Je vous donnerai la suite, hein, savoir si des fois ça a relâché ou non. Mais moi, pour moi, j'y vais les yeux fermés. Hein. Sinon, je serais pas parti loin, un peu loin de chez moi pour prendre la machine. Hein. Bon, bah, maintenant, vu que j'ai ça, là, à l'épaule, moi, ça va mieux, mais... Je suis pas encore OP pour voilà, refaire du FMX avec mon 2,5 YZ. Parce que voilà, on est quand même assez haut en l'air, c'est loin. Ça cogne un peu dans les récepts et tout. Mais bon, quand on va bien, bon, on encaisse. Mais voilà, quand on est un peu handicapus comme moi tout de suite, c'est pas génial. Moi du coup, hein, ce que je voulais faire, c'était des petites sessions sur circuit. Et je vais voir avec un collègue youtubeur et d'autres potes à moi qui pratiquent la discipline. Et moi je pense que ça pourrait être sympa, on va bien s'amuser quoi. On va bien s'amuser et puis au moins on pourra faire les pitres comme il se doit. Et on va se mettre là. Bon, ok. Alors petite précision pour la machine de mort. Bon, pour ce qui est moteur. Donc là-dessus, il y a l'arbre à cam. Il y a la culasse qui est tapée, un piston de compression, un embrayage STM et le shifter, power commander, la 5, la machin, et la ligne acra complète. Et du rythme et couilles. Ouais, j'ai fait le tour, voilà, puis la cycle, après voilà, hein, les jantes, 4 pieds, les pompes T, le Behringer qui mord super bien, enfin, ça le mord dans le fou. Moi j'ai juste mis le plastique noir, hein, comme d'hab, hein, c'est la maison, c'est tout le temps black, ça a toujours été ça, moi. Donc merci FX Motors, qui est, comme d'hab, hein, depuis très 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 longtemps. Et une grosse bise à MX Lite, voilà, je les cite, hein, je les cite souvent, parce que eux au moins, ils ont fait là, ils ont fait le taf, ils promettent des choses, et ça se passe, et machin, enfin, il n'y a pas de baraille, quoi, comme beaucoup. Et ici, j'ai mis le compteur d'heure, voilà, tu vois, 0,7, hein, je sais pas... J'en ai pas fait des masses hein, depuis que j'ai tout remonté. Ouais, puis écoute, tu vois, puis ouais, aussi les protections carbone, là, machin, blabla.
puis les suspates préparés, en plus c'est bien, c'est à peu près dans mon poids, donc voilà. Hein. Bon, à savoir hein, tout ça, les leviers aussi, blabla. À savoir hein, tout ça, c'était déjà sur la machine. Hein. Moi, je me suis occupé de refaire le moteur, voilà quoi, la boîte, etc. Pour le jeu soupape, d'ailleurs, tiens, une chose aussi que je vous ai pas dit, le jeu soupape, du coup, je suis allé faire un petit tour, machin, je l'ai refait et du coup, je l'ai repris deux sur admission. Et encore une sur échappement, refait des tours, machin, et là ça bouge plus quoi. Et je suis à peu près bon, franchement, sur les fourchettes que ça a demandé, pardon, tant échappement qu'admission, ouais, franchement, échappement, je suis pile sur les deux, à 0,28 et tout, et admission, ouais, j'ai juste un écart de pas grand chose sur celle de droite quand on est sur la machine, mais je suis dans la fourchette de tolérance. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu. Petite pression aussi que je peux dire, voilà, donc 4,5 CRF, hein, 2009, ah oui, il y a les rigidificateurs aussi, la protection là, pour les radiateurs. Petite chose que je peux rajouter d'ailleurs là-dessus, donc 4,5 CRF 2009, d'accord, premier moteur à injection, puis après en Denis, c'est passé en 2010. La boîte à air à remettre, c'est une galère sans nom, c'est vraiment une horreur. Donc ça m'a... Mais pourtant, j'arrive pas trop à... Je sais que je m'agace souvent, mais je parle à m'agacer quand c'est mes motos. Ça a commencé à être pénible parce que c'est assez compliqué, je trouve, pour pouvoir l'emmancher et tout. Donc du coup, j'avais même essayé de chauffer légèrement, tiédir au décapeur pour le remettre souple, pour le remmancher dans le manchon du corps papillon. Et en plus, c'est pénible parce que vous avez le faisceau aussi qui contourne et tout. Enfin, c'est une vraie galère. Donc du coup, moi, la technique qui est franchement mais plus rapide que la boucle arrière complète à emboîter, à redéboîter, j'enlève la boîte à air de la boucle arrière, je mets la boucle arrière, franchement ça prend vraiment pas beaucoup de temps, vraiment, mais c'est un rien du tout, et je vais plus vite que quand j'ai tout l'ensemble. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai la boîte à air là, qui commence à être un peu trop rigide, ou si c'est une pénibilité connue, je sais pas, bah dites-le moi s'il y en a qui possède la machine. Et puis voilà, hein. Et puis bon, pour ce qui est de la culasse, hein, voilà, vous vous souvenez, on avait fait un petit test d'étanchéité vite fait. Bon, si des fois ça avait fui, eh ben, mais on aurait repris les sièges, peut-être même les guides, ou les soupapes s'étaient rongées, machin, mais bon là, on est pas trop mal, et puis ça me tarde d'aller y essayer vraiment habillé avec la cuillère de vache et tout le foutoir. Bon, ben, petit pouce, hein, si le cœur vous en dit, franchement, ça me ferait super plaisir. Voilà, pour le démarrage, il y en a plein qui disent que le 4,5 est dur à démarrer. Voilà, je peux pas vous dire mieux, là. Hein. Là, je peux pas vous dire mieux. Hein. Bon, là, les bagnoles sont arrivées en 2 secondes, mais elles étaient pas là tout à l'heure. Bon, ben, je vous fais une grosse bise. Une grosse bise à tous les blessés aussi. Une grosse bise à mon poteau Elliot, qui s'est bien explosé. Hein. Je te fais une grosse bise, mon grand. On revient vite. Bon, on pourrait faire plus l'épître, machin, t'as compris, tu sais. Bon, voilà, t'as compris, machin, mais non, je veux pas le faire, ça. On pourrait hein, faire ça, faire des vidéos, machin, toute la journée, mais non. Parce que, on va dire que déjà, là, moi, je suis pas dans mon droit d'être sur cette route comme ça. Donc, je vais pas inciter, on va dire, je me tiens une espèce de pseudo ligne de conduite. Où je suis tout le temps en train de râler toute l'année après les mecs qui font ça entre les bagnoles. Donc je vais pas faire exactement comme les mecs que je critique, quoi. Ça aurait pas de sens. Et puis voilà quoi. Et puis il y a assez de contenu, il n'y a pas besoin que moi je rajoute de la. Enfin bon, il n'y a pas besoin que j'en rajoute pour. Là, t'as compris ? Ah, je peux pas là, putain. Bon, et par rapport à Instagram, il y en a qui me disaient que regarde, j'ai pas de texte, j'ai pas de notes, j'ai rien là. Hein. Alors je la refais. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence égarée. J'abattrai alors le bras d'une terrifiante colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Ah, des crapes. Ta femme, j'ai pris, je t'ai enculé! Regarde ta gueule!
vous serez